Vous allez intervenir sur la question de la disparité du droit à l'image. Merci beaucoup, Eric, et merci à Anne Lacoste pour son invitation et à toute l'équipe de l'Institut pour la photographie pour ce colloque extrêmement stimulant. Juste une précision avant de commencer, je ne suis évidemment pas juriste, donc je ne construis pas une théorie du droit où je peux avoir bien des lacunes dans ce domaine, mais l'idée est d'en faire un outil de réflexion, un outil d'analyse qui me permet de passer de questions strictement juridiques à des questions esthétiques et éthiques, comme l'a évoqué Éric Jarraud. Alors je vais organiser cette présentation en trois temps. Je vais d'abord revenir sur l'histoire du droit à l'image, dans l'histoire même de la photographie, pour en comprendre les fondements. Ce ne sont pas des choses qui sont toujours bien connues, me semble-t-il. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur des cas plus récents pour essayer d'expliquer ce que j'entends par disparité du droit à l'image. Et dans un dernier temps, j'essaierai de proposer quelques pistes de réflexion sur les modalités d'exposition, de diffusion, de médiation de certaines images qui posent problème d'un point de vue éthique, voire juridique. Alors d'abord, peut-être un rappel de ce qu'est le droit à l'image. En France, ce n'est pas inscrit dans la loi en tant que tel, mais c'est une extension du droit à la vie privée. Mais plus globalement, en Europe comme aux États-Unis, et je vais principalement parler de ça dans un premier temps, c'est un droit, donc, comme vous le savez, qui permet à une personne photographiée de s'opposer à la diffusion de son image. Alors pour engager ce point historique, je vous présente une affiche d'une publicité pour la farine, affiche américaine qui a été donc diffusée en 1900 sous forme de poster qui était placardé dans les murs, sur les murs, sur les devantures dans l'État de New York en particulier. Et cette affiche est l'un des premiers cas juridiques de conflit justement lié au droit à l'image. Il y en a eu quelques autres avant, mais on voit à cette période monter vraiment toute une série de cas identiques, à savoir que la jeune femme, Abigail Robertson, qui est sur l'image, a fait faire son portrait dans un studio photographique, mais n'a eu absolument pas connaissance du fait que le photographe ait pu transmettre cette image à une société de publicité pour un producteur de farine. Donc elle va découvrir dans les rues de sa propre ville son visage placardé un peu partout. L'histoire dit qu'elle est extrêmement choquée, en tout cas ça va amener à une plainte et qui va être reçue par le juge américain, c'est-à-dire que c'est un des premiers cas véritablement où s'instaure un droit pour les personnes. L'argument qui a beaucoup joué, à la fois on le voit dans les décisions de justice mais aussi dans les médias parce que ce cas a été extrêmement commenté et suivi par l'opinion publique, c'est le fait d'associer cette femme à une marchandise. Donc là on a toute la dimension à la fois économique du droit à l'image qui apparaît. Pour certains juristes d'ailleurs, le droit à l'image c'est d'abord un droit purement économique. Et puis on a aussi cette relation particulière de ces personnes qui se trouvent prises dans un dispositif, disons, publicitaire ou médiatique. Simplement pour dire aussi que dans les décennies qui suivent aux États-Unis, de nombreux cas similaires apparaissent et ce sont très souvent des femmes qui se trouvent associées à des publicités de ce type. Alors pour les spécialistes, pour les juristes américains, ce cas-là, il est fondamentalement lié à la nature même de la photographie et à sa capacité de reproductibilité. En France, un petit peu plus tard, hein, dans les années 70, Bernard Edelman, qui est un spécialiste du droit que certains connaissent sans doute, va commenter ce phénomène. Il va intituler son ouvrage « Le droit saisi par la photographie », ce qui veut bien dire que c'est la photographie elle-même qui vient poser problème au cadre juridique. Et il va notamment relever une contradiction. Vous voyez la citation ici, mais je vais la résumer. Il la traduit, lui, par le concept de surappropriation du réel, où il insiste sur le fait qu'il y a d'un côté un photographe, de l'autre un photographié, et qu'on a affaire, en réalité, à un conflit de propriété. L'individu photographié, dans le droit, va être considéré comme propriétaire de son image, mais évidemment, le photographe va aussi revendiquer cette propriété. Et c'est ce conflit-là, cette contradiction, qui est au cœur de bien des problèmes que l'on voit encore aujourd'hui. Alors, ce n'est pas seulement dans le champ du droit que cette question va être commentée et repérée.
Mais dans cet ouvrage que je ne vous présente plus de Roland Barthes, La chambre claire, il y a un passage qui est assez peu connu ou assez peu relevé dans l'ouvrage. On parle toujours du ça a été ou du punctum. Mais il va aussi commenter ce qu'il appelle un trouble de civilisation, le fait de se voir soi-même autrement que dans un miroir, qui est quand même, au moment de l'invention de la photographie, une vraie transformation pour les personnes. Il va le qualifier de trouble de propriété. Et je trouve cette expression extrêmement juste. Je pense qu'avec le droit à l'image, on a affaire précisément à ce trouble de propriété. Et il insiste, dans la dernière phrase du passage que je vous propose de lire, sur cette incertitude d'une société pour qui l'être était fondé en avoir. Et ce rapport entre l'être et l'avoir traverse aussi nombre de débats autour de ces problèmes juridiques. Alors, pour revenir à l'histoire, au fondement historique de ce droit, il faut aussi noter que en Europe cette fois et en France en particulier, avant les États-Unis, simultanément, deux droits vont se construire pour la photographie. Celui qui va donner un statut juridique à la photographie, donc c'est notamment avec ce portrait du comte Camille de Cavour, d'un atelier photographique de l'époque qui diffuse des portraits de célébrités, Mayer et Pearson, qui vont se rendre compte, à la fin des années 1850, qu'un atelier concurrent utilise la même image. Il n'y a aucune protection à l'époque, donc ils vont porter plainte pour contrefaçon. Ce qui est intéressant, c'est que pour qu'il y ait contrefaçon, il faut que la photographie soit considérée comme une œuvre d'art, ce qui ne va absolument pas de soi à cette époque. Donc le débat, un petit peu comme l'affaire Brancusi plus tard, est passionnant de ce point de vue-là, parce qu'il montre quels seront les arguments qui vont permettre à la photographie d'acquérir ce statut d'œuvre d'art. Et ces critères, au passage, sont assez étonnants d'une certaine manière, puisqu'ils sont des critères d'une photographie strictement mise en scène. Ce sont des critères liés au choix des accessoires, à la pose du modèle, au cadrage, au décor, etc. Bon, en tout cas, disons que très tôt, quelques décennies après l'apparition de la photographie, ce droit va permettre de protéger les photographes et les auteurs pour la diffusion de leur image. C'est le même cas pour la photographie d'Oscar Wilde aux États-Unis. C'est les mêmes circonstances, donc je ne m'attarde pas. Donc là aussi, ce sont des choses que j'ai indiquées simplement pour dire que derrière ce cas-là, progressivement, va se constituer à la fois le code de la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, mais aussi la liberté d'expression et d'information, et très récemment en France aussi la liberté de création. Tout ça, ce sont des dispositifs qui protègent les photographes, en principe. De l'autre côté, quasiment la même année, ou presque, donc pareil, dans les débuts de la photographie, dans les années 1850, va se constituer le premier cas qui fait vraiment jurisprudence et qui est considéré comme précurseur pour les juristes du droit à l'image, en tout cas d'une protection d'une personne à l'image. Donc c'est le cas de Rachel, qui est une actrice extrêmement connue à l'époque, dont la mort en 1858 va être largement relayée par la presse. Et il se trouve qu'un journal, l'Illustration, va présenter ce dessin que vous voyez à gauche de Frédéric O'Connell. Et simultanément, il est intéressant de le noter aussi, ce dessin va être photographié et présenté comme tel dans une galerie à Paris, la galerie Goupil. Donc on a là deux lieux de diffusion, celui de la presse, celui du champ artistique, et ce sont là où toujours se cristallisent, bien après aussi, les problèmes de droit à l'image. Donc la famille de Rachel va réagir très vivement à ce dessin. Pourquoi ? Parce qu'elle va reconnaître derrière ce dessin le modèle photographique qui a servi à l'artiste. Ce modèle, c'est une photographie qui a été faite dans le cadre vraiment privé de la famille. Ça, c'est toute une tradition. Et il y avait eu une très belle exposition sur le dernier portrait il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle la photographie post-mortem, qui permet aux personnes de solliciter un photographe pour conserver la dernière image d'un proche décédé. Donc cette photographie, la voici, c'est une photographie de Louis Crête, donc de Rachel sur son lit de mort. Et cette photographie avait un usage strictement privé. Donc d'une manière ou d'une autre, la dessinatrice a eu accès à cette photographie, et c'est ce qui va choquer la famille et va emmener un procès. Ce qui est intéressant là de voir, c'est que le ministère public va s'associer à la plainte et va du coup protéger, effectivement, va interdire la diffusion de cette image.
elle a été diffusée, mais après coup, elle ne peut plus l'être. Et il faut relever les deux arguments de loi qui vont prévaloir dans un réquisitoire enflammé du ministère public de l'époque. Le premier, je résume, mais je cite vraiment l'avocat, c'est le droit à mourir caché pour toute personne, y compris la plus célèbre et la plus éclairée publiquement pendant son vécu. Ce qui veut dire que s'instaure un droit à la vie privée post-mortem, ce qui est très paradoxal puisque c'est un droit à la vie privée, mais nous n'avons plus affaire à des vivants, et qui est beaucoup discuté encore aujourd'hui. Et puis, de l'autre, c'est la prise en compte des familles, de la douleur des familles, ce qui veut dire que le droit à l'image n'est pas un droit de propriété individuelle, mais il s'exerce aussi par un tiers, et les ayants droit peuvent exercer ce droit, ce qui pose aussi tout un ensemble de problèmes. Là, c'était aussi les articles qui concernent petit à petit, à partir de Rachel, le droit va se construire, mais plutôt dans les années 70, quand on va voir une montée en puissance de revendication du droit à l'image par les personnes. Je voulais simplement mentionner aussi qu'effectivement, ce respect dû au corps humain ne s'arrête pas avec la mort de la personne. Et puis aussi, on verra apparaître, mais ça c'est plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, une notion cruciale pour le droit à l'image, qui est celle de la dignité humaine, qu'on va voir apparaître à l'échelle européenne et internationale, mais je vais y revenir tout à l'heure. Sur les photographies post-mortem et notamment de personnes sur leur lit de mort, deux exemples rapidement que je voudrais commenter. Celui de Bismarck, donc grande figure politique allemande, qui décède à son domicile à la fin du 19e siècle. Et deux photographes vont s'introduire par effraction dans le domicile, effectuer cette photographie, alors en plus en retouchant un peu la posture de l'homme pour que ça soit plus photogénique, alors je mets des guillemets évidemment à ce terme, et vont tenter de vendre cette image à la presse. Donc là, on est vraiment dans les prémices de la logique du scoop, qu'on verra ensuite aussi avec la montée en puissance des paparazzi beaucoup plus tardivement. La famille va s'y opposer, et là aussi, le droit va pencher en faveur de la protection de la personne et du droit à l'image. Dans le cas bien connu de cette photographie de François Mitterrand, c'est un petit peu la même chose. La photographie a été prise sans autorisation. On ne sait pas qui est le photographe, mais l'image va être transmise à Paris Match, qui va faire une vente record sur ce numéro-là, mais qui sera ensuite condamné à ne plus montrer la photographie suite à la plainte de la famille. Le problème n'est pas l'image elle-même, qui est considérée très belle par la famille, mais c'est le principe même de s'inscrire dans un dispositif médiatique, économique, sans autorisation des proches. Alors, je vais revenir à des choses un peu plus légères et un peu plus joyeuses. Donc, ça, c'était les premiers cas historiques, très importants pour les juristes. En même temps, pendant tout un temps, en Europe et aux États-Unis, le droit à l'image est un petit peu en état de sommeil. Et c'est vraiment dans les années 70, aussi avec l'apparition des paparazzi qui captent les images des célébrités et les nombreux procès qui vont en découler, que les choses vont toucher les anonymes et les personnes au-delà du grand public. De manière un peu anecdotique, j'ai mis cette photographie de Robert Doisneau. Certes, elle est faite en 1950, mais c'est dans les années 80 qu'elle va être très, très largement diffusée sous forme de posters, cartes postales, calendriers et autres. Et à ce moment-là, on va voir des dizaines de couples dire qu'ils se reconnaissent à l'image. Donc ce besoin que Barthes évoquait d'appartenance, de projeter cette propriété comme ça sur l'image, elle se manifeste là de façon assez anecdotique, mais tout de même, un couple va aller jusqu'à porter plainte, ce qui amènera Doisneau à expliquer que cette photographie n'est pas prise sur le vif, mais je pense que certains le savent, c'est une mise en scène, il a fait appel à des acteurs, et etc. Alors, si je reviens sur d'autres cas, peut-être de façon un peu moins anecdotique, déjà, effectivement, dans les années 40, il y a un cas juridique pour Cartier-Bresson de ce couple photographié dans la rue qui va être publié dans différents magazines américains. Le couple va réagir à la deuxième publication parce que c'est associé à un article qui a une approche assez critique du couple et de la représentation amoureuse. Donc le couple va considérer qu'il y a atteinte à la vie privée. Le juge américain ne sera pas d'accord. Il va protéger la liberté d'expression. Il va aussi rappeler que le droit à l'image s'exerce en principe dans un cadre privé et pas dans un lieu public. Le couple assume cette position publiquement, donc il peut l'assumer dans l'image.
Le deuxième cas à droite de François-Marie Bagnier est intéressant parce que c'est un ouvrage qui rassemble des photographies de différents types avec des célébrités et des anonymes. Une grande part des images sont consacrées à des personnes marginales, disons, ou à des situations de précarité. Et à l'intérieur de ces images, il y a la photographie de cette femme qui va considérer que l'association de son image avec les autres est problématique, que ça donne une image d'elle-même hautaine, bourgeoise et indifférente à la misère. Et donc, elle va faire un recours. Mais là encore, comme de nombreux cas, le juge va pencher en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de création pour le photographe. Je cite simplement ce que dit le juge par rapport à ce cas. L'exercice du droit à l'image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou communiquer des idées et opinions qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste. Donc il est très clair qu'à cette période, c'est la fin, disons, de la toute-puissance du droit à l'image, et fort heureusement aussi pour les artistes et les photographes, il y a voilà, de nombreux cas où ces recours ne vont pas aboutir. Alors là, je montrais des photographies qui ne sont pas, disons, a priori très problématiques du point de vue de la dignité humaine. Il en va autrement pour un certain type de photographie, des personnes victimes d'attentats, victimes de guerre. Et c'est ce qui va m'amener aussi à expliquer pourquoi je pense qu'on peut parler de disparité du droit à l'image. Même s'il y a disparité, dans la mesure où c'est toujours la subjectivité du juge qui s'exerce en fonction des cas. Alors le cas que je vous présente ici, c'est celui du préfet Erignac. Je vous le présente à travers un dispositif qui est celui de Jean-Luc Moulaine, qui a fait tout un ensemble, qui a rassemblé tout un ensemble d'images sous le titre de la série Nos photos, et qui consiste à repérer les images qui ont été interdites de publication. Et ce qu'il fait, c'est qu'il publie une partie de l'image, mais une autre est cachée par la décision de justice elle-même. Ce qui me paraît très intéressant parce que c'est une mise en perspective du système juridique à l'intérieur duquel s'exerce la diffusion de ces images. En l'occurrence, s'agissant du préfet Erignac, donc, qui a été assassiné dans les rues d'Ajaccio, l'image est publiée dans Paris Match vraiment quelques jours après l'assassinat. Et là, la veuve et les enfants vont réagir très vivement et la plainte va être reçue par le juge. C'est un cas de jurisprudence très fort pour les juristes parce que l'argument est celui de la dignité humaine. Il y a même un juriste qui s'appelle Gridel, vous pouvez trouver ça dans le recueil d'Allo, qui va essayer de définir ce que serait l'indignité juridique, ce qui est très compliqué. Mais il explique par exemple que le fait de voir un visage marqué par la souffrance, de voir de très près des mutilations, enfin, il y a toute une série comme ça d'éléments qui sont objectivement, enfin c'est une tentative objective, de classer ce que serait l'indignité juridique. À mon avis, ça reste extrêmement compliqué. À l'inverse, à peu près au même moment, un petit peu avant, vous avez le cas des attentats du RERB à Saint-Michel à Paris, où là, en l'occurrence, la jeune femme que vous voyez qui est évanouie, qui est victime des attentats, va découvrir son image dans la presse et va demander le retrait, va considérer qu'il y a une atteinte à sa vie privée. L'argument qui va être mis en balance est toujours celui de la dignité humaine, mais dans ce cas précis, le juge va soutenir la liberté d'information. Alors ces deux cas me permettent d'entrer dans une petite comparaison, parce que finalement nous sommes dans des choses assez proches, et selon l'avocate Agnès Tricouard, on a affaire là à un cas de disparité ou d'inégalité. Elle va dire que la dignité varie selon la célébrité, surtout à cette époque. Je la cite, « La Cour de cassation a jugé en 2001 que la photographie de victimes anonymes d'attentats était licite. La représentation du corps anonyme mutilé, accidenté, relève de la liberté d'information si les images sont dignes. Mais selon Agnès Tricouard, si la victime est connue, le sang qui apparaît dans l'image fait basculer celle-ci dans l'indignité. » Alors, elle se fonde aussi sur toute une série de cas. Par exemple, en 2004, un jeune homme est décédé dans un accident de voiture. L'image le montre sur un brancard, ensanglanté, décédé. Les parents vont faire un recours et le juge dira que cette image n'est pas indigne. Donc effectivement, on peut considérer qu'il y a deux poids, deux mesures, peut-être, entre d'un côté l'image du préfet Erignac et de l'autre ce type de document. Alors je voudrais rappeler que dans le droit américain, la loi établit une distinction entre l'individu privé
et trois catégories d'individus publics. Donc je cite celle des gens célèbres, celle des personnes involontairement connues, par exemple les victimes de guerre, et celle des stars, ce dernier groupe relevant d'une industrie. Je pense que dans cette distinction se joue un des éléments de la disparité du droit à l'image et qu'il faut, à mon avis, interroger davantage quand on s'attaque à ce type de corpus. Alors, je voudrais rappeler aussi que selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est définie comme un idéal à atteindre entre les peuples en 1948, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Bernard Edelman, que je citais tout à l'heure dans son ouvrage, insiste sur la notion de personne hein, au sens juridique, qui est un sujet de droit, c'est-à-dire un être capable d'avoir des droits et des devoirs. Et il souligne que dès le tournant du XXe siècle, dans un traité de droit civil, je cite, « Depuis l'abolition de l'esclavage, tout être humain est une personne. » Alors il faudrait rappeler quand même qu'en France, même si l'esclavage va être définitivement aboli au milieu du XIXe siècle, il est censé l'être depuis quelques décennies avant dans les colonies, on va voir apparaître aussi ce qu'on appelle le régime ou le code de l'indigénat, qui appartient au droit colonial et qui va instaurer un système juridique répressif qui va distinguer deux types de personnes. Un citoyen français qui a tous les droits que je viens d'évoquer par exemple, et un sujet français qui n'a quasiment aucun droit et sur lesquels peuvent s'exercer les violences qu'on connaît dans le cadre colonial. C'est ce que Olivier Lecourt-Grandmaison va appeler un monstre juridique et qui va quand même perdurer jusque la moitié du XXe siècle. Alors du coup, si on remet en perspective tout ça, évidemment, tout au long du XIXe siècle, à partir de l'invention de la photographie, on voit apparaître une protection des personnes, mais elle ne va certainement pas s'exercer pour les anonymes, les personnes qui ne sont pas en mesure de faire ce recours, et en particulier aussi, là je ne vous montre évidemment pas d'image, mais il y a tous ces corpus qui sont faits dans des cadres pseudo-médicaux, dans les cadres psychiatriques, dans les missions ethnographiques, dans tout ce qu'on va appeler aussi la photographie orientaliste, enfin je pense que vous avez tous en tête des images qui du point de vue de la dignité humaine sont très certainement problématiques. On pourrait donc parler, et certains en parlent, d'un traitement médiatique, notamment hein, des images à deux vitesses. Alors je voulais juste revenir rapidement sur ce cas. Je ne vais pas commenter toute la polémique hein, qui a alimenté un certain nombre de photographies qu'on a appelées les madones dans la presse. Il y en a eu beaucoup, la madone du Kosovo, la madone des décombres, etc. La Pietà du Kosovo, plus précisément. Sur cette photographie, il y a effectivement la polémique liée au fait qu'il ne s'agit pas d'une madone et que là, on voit un regard occidental chrétien se poser sur un contexte qui est celui des massacres de Bentala en Algérie. Il y a aussi des polémiques autour du recadrage. Néanmoins, il faut savoir que cette image est une des seules en lien avec les événements et qui a permis effectivement une diffusion à l'international dans la presse, hein, comme vous le voyez dans le petit montage à droite qui a été réalisé par l'artiste Pascal Convert. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi une image qui a fait l'objet du droit à l'image. C'est-à-dire que la personne, 8 mois après cette photographie, Oum Saad, elle a porté plainte pour atteinte à sa dignité, pour aussi un problème de légende, puisqu'au départ, l'image disait qu'elle avait perdu ses fils, et en réalité, c'était ses frères, ce qui est une nuance quand même, il me semble, assez importante. On peut essayer de se mettre à la place de cette personne. Et ce qui est assez étonnant quand même, c'est quand on regarde la presse française, par rapport à ça, il y a très peu de lignes qui sont accordées à ce cas du point de vue du droit à l'image. Et à chaque fois, c'est... Curieusement, elle porte plainte 8 mois après. Très souvent, on suppose en fait qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir algérien. C'est possible, je n'ai aucun accès à ces informations. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on pourrait se demander si cette image, dans un contexte européen ou américain, si vous ou moi étions à l'image et pouvions découvrir, un peu comme Abigail Robertson, notre visage dans un moment dramatique comme ça, exposé aussi massivement, est-ce qu'on aurait pu imaginer porter plainte? Est-ce que la loi française ou européenne se serait positionnée autrement, puisqu'il là il y a eu un non-lieu, simplement une rectification de la légende? C'est une question tout de même, je crois, qu'il faut nous poser. Fabien Faure, dans un article consacré aux arts dits primitifs dans les cahiers du MNAM, parle d'un habitus colonial que nous aurions conservé. Et moi, j'aimerais interroger cet habitus colonial du point de vue du droit à l'image.
Alors, je ne suis pas la seule à le faire. Là, je me réfère à une recherche récente d'une chercheuse américaine, plutôt dans le champ de la sociologie, qui s'appelle Jessica Fishman, dans son ouvrage « Death Makes the News », extrêmement intéressant, extrêmement documenté. Elle a observé de façon très systématique ce qui se passe dans la presse américaine par rapport à la question de la représentation des victimes. Et elle le montre de façon assez remarquable. Par exemple, il n'y a pas de photographie de victimes et encore moins d'enfants victimes américains. En revanche, quand la presse américaine s'autorise à montrer des enfants victimes, ce sont des étrangers. Elle donne l'exemple très manifeste depuis quelques années des enfants syriens notamment. Donc on voit bien qu'on a là deux manières d'approcher la question du droit à l'image. Alors je voudrais aussi citer le collectif de cinéastes syriens Abou Nadara, qui a, à travers de nombreux appels dans la presse, mais aussi à travers leurs films, insisté sur cette inégalité qu'ils considèrent comme criante, qui s'inscrit, selon Abou Nadara, dans une tradition raciste qui, je cite, « autorise les médias du monde à bafouer la dignité des victimes syriennes alors qu'ils respectent celle des victimes des attentats terroristes à New York ou à Paris ». Donc là, c'est dans un entretien auquel je vous renvoie, qui a été mené par Dorg Zabunian avec le représentant du collectif, qui s'intitule « Le droit à l'image est-il égalitaire ?». Et c'est une question, effectivement, qu'on peut se poser. Alors, dans le cadre de cette journée, pour moi, la question n'est pas de se dire on doit ou pas montrer les images, mais ça serait plutôt, hein, dans la perspective d'exposition, de diffusion, de médiation, comment montrer ces images, hein, que ce soit des images historiques ou que ce soit des images d'actualité. C'est une question, en tout cas, à mon avis, qu'il faut nous adresser tous. Il y a, par exemple, des gens comme Mickey Ball qui ont réfléchi à ça dans le cadre d'expositions. Pour cette exposition « Beautiful Suffering », dont le titre déjà, à mon avis, peut poser question, elle décrit son malaise de spectatrice dans cette exposition. Je ne vais pas lire la citation, je vous laisse la découvrir, mais cette succession d'images de souffrance peut créer alors une sorte de peut-être d'aisance coutumière, de lassitude ou au contraire un profond malaise, mais c'est vrai que ce sont des questions délicates. Pour autant, ce que dit Mickey Ball donc, dans un texte qui s'intitule « La douleur des images », c'est que cette exposition est tout de même une tentative réussie, selon elle, je cite, « de pratiquer une analyse visuelle critique ou une philosophie du visuel, non pas sous la forme académique de l'écrit, mais en pratique visuelle ». Et notamment, là il y a l'exemple à droite, elle parle d'une perspective comparative de l'image disposée en ses multiples versions, qui permet, par exemple, de se rendre compte de la façon dont le recadrage à lui seul constitue une esthétique inséparable d'une dimension politique. Et donc, effectivement, pour elle, ce qui compte, c'est de ne pas montrer une image, mais de montrer tous les formats et les supports par lesquels cette image est passée, parce que ça nous oblige à une forme de recul et de mise en perspective du contexte dans lequel cette image a pu être montrée. Je voudrais revenir, si j'ai encore un tout petit peu de temps, sur un cas qui me semble intéressant dans la jurisprudence française. Il s'agit d'une photographie qui a été faite pendant les Journées mondiales de la jeunesse organisées par l'Église à Paris en 1997, par Abbas. On voit trois croyantes en train de prier, agenouillées dans la rue. Cette photographie n'a pas posé problème tout de suite. Elle va le faire quelques années après, parce qu'elle va illustrer un article dans l'Express. Là, c'est encore un montage de Jean-Luc Moulin, un article qui s'intitule « Dieu est-il misogyne ?» et qui a pour vocation de s'interroger dans l'ensemble des religions du rapport à la femme, de la place qu'elle tient dans ses pratiques de croyance. Et ce qui a gêné deux des plaignantes sur trois qui ont porté plainte, c'est le fait d'être associée à cet article avec le sentiment que, justement, elle serait l'exemple d'une misogynie exercée dans le cadre de leur religion. Et ce que je trouve intéressant, c'est la décision du juge, qui est assez rare et qui est assez fine, à mon avis, parce que Abbas, en plus, va monter au créneau pour défendre la liberté d'expression. Et le juge va dire, va vraiment mettre hors de cause le photographe et l'image, va condamner l'Express de manière plutôt symbolique en disant que c'est bien le contexte dans lequel cette image a été montrée, son articulation avec le texte qui l'accompagne, qui
porte, qui construit le préjudice. Hein, ce qui veut bien dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir à l'image en soi, complètement hors de tout dispositif d'exposition, mais bien de s'assurer que des questions comme celle des dimensions, mais on en a parlé hier, hein, des légendes, du cadrage, des documents qu'on a à disposition, peuvent nous permettre de à la fois regarder l'image, mais le dispositif économique et juridique dans lequel elle se trouve engagée. Il est intéressant de regarder ce que font les artistes par rapport à ça. Il y a plusieurs cas, j'en ai choisi, j'ai 5 minutes, c'est ça ? Moi, je suis même pas une minute. Bon. Alors, Christian Lutz, qui a fait un reportage photographique dans l'église évangélique de Zurich, avec des autorisations a priori, et quand son ouvrage va être publié, on va lui demander, enfin, il va y avoir des plaintes qui vont venir d'un certain nombre de personnes photographiées, il va maintenir une exposition, l'ouvrage va être retiré, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va montrer la photographie en cachant les visages avec un bandeau qui indique quelle est la raison même de la plainte juridique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la lire, mais ce qui permet au spectateur d'avoir un accès à l'image, certes partiel, mais à mon avis de comprendre quel est l'enjeu de cette image. Alors, je voulais citer, c'est une œuvre très connue, mais je la trouve quasi pédagogique, cette œuvre d'Alfred Ojar, qui concerne une photographie de Kevin Carter, qui avait fait toute une polémique autour d'un enfant victime de la famine au Soudan et qui a aussi été lié au suicide de Carter. Enfin, c'est toute la question de l'éthique du photojournalisme. Je vais très vite là, mais dans le dispositif d'Alfred Ojar, il prend plusieurs minutes de texte pour préparer le regard du spectateur, informer le regard du spectateur avant de pouvoir accéder à cette image, ce qui me paraît une piste intéressante. Alors, j'ai une toute petite conclusion à faire, si c'est possible. Je voudrais juste citer Sally Price, qui est une anthropologue, qui a consacré un texte au cartel, qui peut paraître une chose anecdotique, cartel destiné aux arts ethnographiques, où elle dit « Aucune œuvre d'art n'arrive seule dans la galerie d'un musée, elle est accompagnée d'un partenaire, un texte qui prend place à ses côtés. » Et dans son analyse, elle dit bien à quel point cette convention ne s'applique pas de manière égale selon les objets et les images concernées. Je pense que c'est exactement le cas aussi s'agissant de la photographie. Ici, c'est une photographie de Félix Bonfils, d'un enfant syrien d'ailleurs. Donc on voit déjà que dans les premiers temps de la photographie, cette question se pose. Je voudrais juste vous faire remarquer que ce que Bonfils a écrit sur la photographie, le titre de cette photographie, Palmyre, sculpture d'un chapiteau, ne mentionne absolument pas la présence de l'enfant, comme s'il était un objet du décor ou je ne sais quoi. Et là, évidemment, alors aujourd'hui, elle est reproduite avec une mention qui stipule la présence de l'enfant. Mais je pense qu'en tout cas, il y a encore du travail à faire dans les conditions dans lesquelles nous pouvons montrer les images.